Bon, écoutez, ça va être une vidéo à la qualité horrible. Mais c'est juste pour vous dire deux, trois choses. Déjà, d'une part, le streaming sur Facebook est maintenant possible parce qu'il y a la dernière mise à jour de l'Oculus Quest qui est sortie. Et désormais, on peut streamer sur des groupes en plus de la page Facebook, pas de la page, justement, en plus du profil Facebook. On peut pas encore on peut pas encore streamer sur les pages, ce qui est dommage. Je devrais streamer sur la page otakugame.fr, mais c'est pas grave. Voilà. Par contre, on ne peut pas encore streamer sur, par exemple, streamer sur Twitch, c'est pas possible, streamer sur YouTube, c'est pas possible. Ça, c'est le premier truc. Deuxième point, dans les paramètres, vous êtes dans tout voir, vous allez dans fonctionnalités expérimentales, vous avez vu, vous avez le suivi des mains. Et en fait, ça, vous voyez, là, j'utilise mes manettes. Je l'ai activé. Et dès que vous l'activez, en fait, ça, je vais le laisser. Dès que vous l'activez, vous allez dans Paramètres, Utiliser les mains, et voilà. Et là, je vais pouvoir vraiment utiliser. Il faut que je mette les manettes de côté. Attends, je vais les mettre par terre. C'est là. Voilà. Donc là, quand vous êtes comme ça, vous pouvez utiliser vos mains pour jouer. Je dors mon fail. Voilà, ça y est. Là, j'utilise les mains. Donc, je dépose mes manettes. Putain, en fait, les manettes se reconfigurent dès que... Voilà. Là, c'est mes mains. Donc là, vous voyez, là, je bouge mes mains. C'est vraiment fluide. Ah ouais, ça fait vraiment au même moment. Par contre, il n'y a pas un tuto, un truc comme ça. Mettre bien. D'accord, en fait, avec ton doigt, tu le places comme ça. Et quand tu veux valider, comme ça, tu fais quoi? Avec les deux doigts, c'est ça? Ah oui, d'accord. En fait, il faut garder les doigts ouverts comme ça. Et quand tu les serres. Ça permet de sélectionner. Ça fait vraiment bizarre en fait. Je préfère que. Je préfère avec. Mes manettes, mais ça détecte vraiment bien et chacun des doigts là, vous voyez, c'est ouf, copain fou. Et là, je joue, il fait un peu noir en fait, j'ai pas mis la lumière à fond, et malgré ça, ça détecte assez bien, sachant que je suis sur un fond noir et que voilà, appuyez sur le bouton Oculus, ouais, je vais vachement appuyer sur le bouton Oculus. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je sais qu'il y a un tuto, ah, peut-être dans les démos, la didacticielle, je pense. Ah, tu peux valider avec les deux mains. Ah, ça y est, je l'ai. On va regarder ensemble comment on utilise les mains dans les VR. Il faut poser les manettes à un endroit sûr. D'accord, faut vraiment pas qu'elles bougent les manettes. On pince pour sélectionner. Alors, hop. Vraiment bien, hein, ça détecte même de derrière, quoi. Même comme ça détecte que je pince. Ah, et même là, ça détecte que je pince. Même comme ça. Ah, d'accord. Si je tourne trop ma main, elle disparaît. Il faut quand même qu'il puisse voir les doigts. C'est-à-dire que là, ça disparaît. Si je rapproche trop mes mains aussi, elles disparaissent. Bon, alors, pincez et faites des filles. Pincez et maintenez pour faire défiler. Logique. Utilisez le bouton Oculus. Ah, c'est possible. Donc, il faut lever la paume de la main vers le haut. Et quand votre main s'illumine, il faut. Ah, yeah! Ta 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 la la, c'est beaucoup trop classe. Ta 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 la la. J'ai l'impression d'être dans le futur. Pourquoi j'ai cette application? Je vais pas vous mentir, la détection est quand même beaucoup plus précise. D'accord, en fait, faut vraiment cliquer comme ça. Pam, pam. Pam, pam, pam. Oh, on s'y habitue vite, hein. T'as une sensation de retrouver dans le futur. C'est un truc de ouf. Ça rappelle que je sais pas quels sont les prochains jeux que je vais.
Je vais acheter. Et là, je vais jouer à VRChat. Donc, on va en profiter. Mais il est pas compatible sans le. Il n'est pas compatible avec toi. On a besoin des manettes. Quand je vais aller chercher la manette. Putain, c'est où? C'est ça? Ça aurait dû les illuminer. Ah, voilà. Parce qu'en fait, comme tu as le casque, tu vois pas où elles sont. Donc voilà. Je sais pas ce qui va se passer dans le VRChat. Cette application, c'est genre ma préférée. Bah, détester en même temps. Ma préférée parce qu'il s'y passe des trucs de fou. Bah, détester parce que il se passe des fois rien, quoi. Oui, enfin, je sais qu'on n'a pas le droit de hate speak et tout ça. Je suis pas méchant, moi. Alors, je suis en mode assis et en mode. Vous voyez, est-ce que je peux mettre mes mains? Voilà. J'ai ma room qui est tout autour de moi, comme ça. Qu'est-ce que je suis? Je ne me souviens plus. Par contre, j'aimerais bien. Alors, comment on faisait déjà pour faire apparaître le panel? Ah, voilà. Tu avais changé d'avatar. Ah, le loup? Le butter meurt pas mal. Ou Sphere Boy. Ta 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 la la ta la la la. Il y en a beaucoup plus que la dernière fois. Change. J'ai cru voir Pikachu. Ah, déjà, je suis assis. Et après, j'en ai marre de me déplacer dedans. Je préfère le holoport. Voilà. Pourquoi? Parce que ça me fait moins mal au ventre. J'ai un peu le motion sickness. Non. 108 personnes, 247. On va aller au Black Cat. Go pour le Black Cat, j'ai vu qu'il y avait du monde là-bas. Vu qu'on peut rencontrer des Japonais, mais encore faut tomber dessus. Je crois qu'on entend mes grenouilles dehors. Ouais, c'est des grenouilles qui font ces bruits-là. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait. Il n'y a personne. Alors, quand il n'y a personne, c'est parce que dans le monde en question, souvent, tu as des sous-mondes, tu as des sous-serveurs. Visiblement, il y a trois personnes ici, mais je ne les vois pas. Voilà. Et en fait, là, par exemple, il y a du monde. Là, ils sont 16. Parce que ce que j'avais pas compris avant, c'est que dans chaque monde, en fait, tu as des sous-serveurs. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Oups. J'ai vraiment vu un truc là, autant. Tu.
I'm just a black cat. It's because I'm on the Oculus Quest. I can see only the bottom. Whoa! What is that giant robot? Hello. Hi. Oh my God. Sit. La table la plus haute du monde. Are you a frog? It's my size. It's you're giant. I'm normal size. Yeah, I can steal some. Yes, it is beer. Amia. Nice. Je rentre dans tous les murs que je vois. What are you doing to the wall? Pourquoi aller dans le mur? Oh, on peut chanter. Ou un micro. HQ Mirror. Ah, d'accord. En fait, on peut désactiver le miroir parce que sinon, ça peut faire laguer. J'ai l'air constipé quand j'avance. C'est hyper perturbant. Ça fait mal aux yeux en plus quand je me vois. Ta 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 Ah. Why are you looking to the wall?
Bah, me dit, ah, tu dois bien. Bon, bref, c'était VR Chat. Je pense que c'est vraiment pas fait pour l'Oculus Quest, hein. Low Mirror. Je pense vraiment que c'est pas fait pour l'Oculus Quest. Et même s'il y a des trucs très bizarres, c'est pas le jeu optimal pour ça. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir montré un peu ça. Et bah, sachez que voilà, désormais, il y a le support des mains sur l'Oculus Quest. Par contre, attention, support des mains ne veut pas dire. C'est rigolo ça. Ne veut pas dire que les jeux l'utilisent déjà. Voilà. Je n'utilise pas encore le support des mains. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye, et on arrête le stream.